Ah, ça va être tes premières vraies rénovations. Je comprenais pas vraiment ce qu'on voulait me dire. Mais là, je les comprends. Autour de Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, de se lancer dans les émissions de rénovation. Christine, on va la voir bientôt dans la série Les 12 travaux de Béatrice à Casa. Et ce sera présenté dès jeudi prochain, donc le 28 mars, Sophie. Et Béatrice Martin est elle-même une grande fan de séries ou d'émissions de réno, de déco, mais s'est rendue compte que c'est vraiment pas aussi facile en réalité que ça en a l'air parfois à la télévision. Elle a acheté un chalet tout près de chez ses parents avec son conjoint pour le rénover. Elle pensait que ce serait des travaux d'esthétique. Elle voulait en faire quelque chose de mid-century. Ça s'est révélé être beaucoup plus que de l'esthétique. C'était littéralement de sauver une maison. Et elle n'a pas beaucoup de talent manuel. Voici un petit bout de son expérience. On a été chanceux, on était bien entourés quand même. Mais ça reste que c'était pas mal, surtout mon chum qui faisait tout. Et pour lui, ça a été une grande période d'apprentissage, ma foi, très confrontante aussi. Et pour lui et pour notre couple. On me voit paniquer. Souvent, de toute forme possible. Demain matin, tu te fais proposer une nouvelle aventure de rénovation. Tu dis quoi? J'ai dit non. Je vais refuser. Elle va acheter neuf à l'avenir. Par ailleurs, Christine, c'est ce soir qu'a lieu la première médiatique du spectacle Slam de Robert Lepage à Montréal. Qui mélange les arts du cirque et la lutte. Et c'est une façon poétique, donc, de voir la lutte, une grande passion de Robert Lepage. Ça a été présenté déjà au Diamant à Québec. Et là, ben c'est maintenant à la TAHU à Montréal jusqu'au 7 avril que vous pourrez voir ce spectacle où, ben justement, de façon poétique, oui, je le disais, mais on revisite à peu près tous les clichés de la lutte. Pensez aux arbitres, les bons, les mauvais, les prétentieux. Alors, tout ça d'une façon très Robert Lepage. Est-ce que si c'est une expression que je peux prêter dès ce soir, la première médiatique à la TAHU? Bien sûr, vous pouvez acheter vos billets sur tahu.ca. Oui, le pagesque. Oui, c'est bon ça. Merci, Christine. Pas pire.